Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7. 7 quoi? 7 septembre 2022. Il est de bonne heure, il a bien plu cette nuit parce qu'on a eu des orages. Donc on va aller voir un peu dans cette belle sapinière s'il n'y a pas quelques champignons qui ont poussé. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein, pour pas dire rien du tout. C'est à peine humide ici. Pourtant, il est tombé des seaux d'eau, hein, comme on dit. Et ben, pour l'instant, il n'y a rien. On va attendre un peu. Hein. Pourtant, il a bien plu. Hein. Bien, bien, bien même. Mais bon, il faut attendre que le soleil revienne, que l'eau pénètre dans le sol, que le soleil revienne. Et puis là, ça devrait sortir. Hein. Bon, vous voyez que le ciel est encore bien chargé. Hein. Et les températures ayant considérablement baissé, et c'est tant mieux parce que c'est plus respirable. Bon, j'ai gardé ce matin ma veste, on verra bien au fur et à mesure de la progression. Mais bon, pour l'instant. Pas de champignons, je marche. Hein. Voilà, je suis au Sichénon, à 430 mètres d'altitude. Ça en fait quand même. Hein. Et puis bon, il n'y a pas de champignons. À mon avis, avec les champignons, je l'ai dans l'oignon, comme aurait dit Frédéric Dard dans son Antonio. Bon, je quitte la route forestière et puis je vais aller par là, en sous-bois. Parce que la route forestière, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Par du gravier. Allez par là, c'est une allée cavalière. On va bien voir où ça me mène, hein. Je ne connais pas. Les épicéas sont scolytés, hein. Ils sont morts sur pied, les copains. Sinon, l'endroit est joli quand même, hein. C'est une belle petite allée cavalière, hein. Donc ça descend. Après être monté, je redescends. Et bonne nouvelle, le soleil revient. Il y a des corneilles qui gueulent. Ou qui se parlent. C'est joli, hein? Bon, ceci dit, je me suis dessapé parce que je commence à avoir chaud, les copains. C'est pas le tout, hein, de marcher. Faut prendre sa douche en rentrant, et puis c'est tout. Mais heureusement que j'ai cette rando pour me faire plaisir, parce que pour les champignons, c'est un peu peau de balle et balai de crin. Hein. Tu m'excuseras, camarade, mais faut attendre. Ça va encore sortir, ces putains de champignons, au moment de l'ouverture de la chasse, au 1er octobre. Ça va être beau. J'ai trouvé un beau petit châtaignier. Et ça va donner. Bon, c'est pour tout ça, mais c'est l'heure de casser la croûte, hein, les copains. On va peut-être garder ça parce que j'ai le dos mouillé. Voilà, donc saucisse sèche, du pain, une banane, de l'eau. C'est pour dire on casse une bonne petite croûte. Regardez. Une belle petite saucisse sèche. Tout ce qui est charcuterie. Pâté, sauciflard, saucisse sèche. Tout ce que tu peux imaginer comme charcuterie, moi j'adore. Bon, j'ai pris une banane. C'est bon, une banane. Voilà. C'est un peu mitigé, hein. Depuis les orages, les forts orages de cette nuit, hein. Ça a pété longtemps.
Il est tombé toute la pluie du ciel, là. Le temps se passe aujourd'hui, hein. On a un petit 18h, c'est vrai que c'est vachement agréable pour marcher. Là, je suis arrivé par les échelons. Je sais plus comment elle s'appelle cette maison forestière où il y a le four à pain. Enfin, peu importe. Je lui ai dit, tiens, je vais casser la croûte là. Ah ben voilà. En tout cas, pas de champignons. Hein.